En forme, j'espère que tout le monde est connecté et branché pour bel événement ça. Comment est-ce? En forme. Et deuxième édition, on va dire une chance dans la première édition. Hein? Invitation ça vient de nous. Qui sort de la première édition? Bon, j'ai une possibilité pour m'honorer et gros privilège ça parce que chanter un événement grandiose comme ça pour un artiste maintenant au niveau ça, c'est pour moi un privilège lié, vous comprenez? Et son honneur lié pour moi et pour me faire participation pam love pam nan avec famille Mika et fanatique Mika pour enjoy performance sous artiste avec musique Mika yo parce que legacy ça son legacy qui a prêté à vie et Mika ben fait en pile pour communauté haïtienne là pour HMA pour business musique là et monsieur son modèle son exemple son nèg à suivre son nèg qui influencé dans jeunesse moi pour moi son belle bagaille même son belle bagaille première édition me dégâté parce que me déjà book. Donc, je ne vais pas quitter le programme que je gagne pour mal honorer parce que j'ai déjà un contrat 3-4 mois avance. Mais là, sous appel Zagalo, j'ai eu une chance pour me dire oui et pour venir participer dans l'événement. Anzi, vous avez eu une chance de travailler à Mika ou bien comment ça dit? Moi, je travaille à Mika. Mika était supposé travailler sur l'album. Il a commencé. Nous, il a écrit une musique déjà. Il a vendu mon deuxième musique qui s'est fait le faire la plia, son musique qui était dans même. Après deux ans, il m'a demandé de me la sortir, ça n'a pas de problème. Et puis, j'ai refait la musique avec Kenny. Et yeah, Mika, c'est un artiste qui travaille, tout le monde qui porte l'idée. Je suis habitué à voir pour j'aime Bali. Et bien, il m'a demandé pour faire entendre ça, le bras le sortir, etc. Donc, yeah, même à Mika, nous travaillons dans ça déjà. Les nouvelles de Mika tombent dans ça, qui sont les premiers visiteurs aujourd'hui? Son mari qui te mette down parce que nous avons vu la performance, ça y est, on est son nec mais déjà. Nous avons vu la performance sur internet. Et les monsieur tombé, dans la tête, moi, monsieur, puis elle glissait, ils sont tombés. Il va pour tout son bagage, je pensais qu'il va arriver dans un niveau comme ça. Nous avons dit que c'est son joke, bah, là. Et nous avons préparé un alpha ou chez elle sous ça. Et son nec, depuis le pari de ton côté là, il commence, son fa ou chez un, depuis le guitare, il commence à suer. Et il doit faire n'importe quelle activité à la Mika commencé par tout le monde. Donc nous toujours faire monsieur. C'est un camé de gauche en qui va jouer dans son fait. Sauf qu'on est causé faire là, nous toujours à trip avec monsieur. Son est qui très jovial, docteur à trip sur le monde. On ne n'y pas prendre rien personnel, il est toujours. Son est qui relax, qui cool. Donc les barres, ça arrive dans le niveau ça, vous devez. C'est down. D'ailleurs, on est dans le thème, monsieur a glonangé. Je crois que c'est dans le thème, on est qui aussi influent, sous moi personnellement. Et son équipe te dit oui pour moi dans GSL Stars. Donc, Mika, vous connaissez ça déjà, man. Mika, bon passé, man. Et tout ça, qui ça l'annonce après l'album, il y a un nouveau bagage qui est venu pour fin d'année ou bien? Bon, pour un retour, il faut que tu aies allé, je vais aller. Donc, je suis toujours là, je vais faire monter descendre. Bien sûr que je vais aller exécuter tout le contrat que j'ai aux États-Unis. Mais après ça, c'est là quand même pour me baser. Et moi essayer faire connexion tout dernier sortie là en province parce que on connaît Port-au-Prince dans un petit gaz difficile et même te faire un concert à Rancho après concert ça me beaucoup j'aime jouer Port-au-Prince moi fait différentes villes province me fait au Cap moi faire Jérémy me fait Miragouane dernièrement me fait Gangouave demain si Dieu veut me aller Jérémy après ça m'a fait Campérin m'a tourner Port-au-Prince dans Flemnan. Donc, on a viré en un pays, on a viré en un pays, on a pris les côtés qui sont possibles. On fait ça pour nous satisfaire plus de monde possible avec moyens, maigres moyens que nous avons. Parce qu'on a un bail difficile déjà. Message pour les fanatiques, c'est qui s'allier? Bon, les fanatiques, c'est continuer stream. Bon, comme nous avons un cadre spécial pour Mika Ben, continuer stream pour gérer Mika Ben. Parce que font ça, ils ont le jeune famille, monsieur, ils ont le jeune petit monsieur. Et musique monsieur a prêté éternel et on nous fait on nous bail on nous valoriser Mika même dans la mol même j'en ai commencé à faire dans vivant monsieur parce que monsieur son équipe gagne en pile respect et dans business là même dans la mol l'a continuer je ne respecte dans tout le monde on continue je suis Mika et puis me content et que mon yo fait déplacement next là si vous pas de chance là soya dans next troisième édition m'espère ou là physiquement pour venir enjoy ça va fait maintenant vous bienvenue sur combat event ça va fait frère comment est bon. Si vous avez tout le ok. Nous sommes là, nous pour l'occasion de Mika Ben. Donc, moi, c'est un grand plaisir pour me participer à un bel événement. Ça. Je dis, vous avez une chance de venir assister ou bien vous êtes un artiste qui a une chance pour performer dans la soirée ça? Non, je ne vais pas performer, je vais assister. Bon, nous là, dans l'ensemble des choses, mais nous ne pas performer. Nous.
On dit tout le monde connaît David Vilsen, son jeune et dans génération ça qui promet en pile ou pas de chance et collaborer avec Mika. Comment ça dit? Ou t'es chance faire expérience avec Mika dans le studio? Non, on pas de chance qu'on travaille avec elle, mais soit que nous gain petit coup de parler même beaucoup. Bon, on t'espérer ça, mais dommage on pas de temps chance pour travailler avec elle. Mais bon, pour génération pas maintenant, on connaît comme si pas un jeune qui fait partie de génération pas maintenant, que ce soit jeune ou bien artiste qui pas comme si désirer travailler avec Mika ou bien qui pas gain temps vivre Mika qui ou bien qui pas que Mika pas grand influence sur les nouvelles ça d'après tomber dans heure qui sont des immédiates d'eau. On vous met zo la nouvelle ça a tombé me ensemble avec Juanito dans le studio et c'est Juanito qui dit nous ça parce que Karel t'a fait tweet là sur Twitter à l'époque. Donc moi personnellement l'aime facteur de ça beaucoup quoi vraiment. Donc c'est après le venir tout réseau c'est Mika Ben. Et leur explique aux façons que monsieur mourir, vous venez comme si vous avez un symptôme dans vous-même. Donc c'est pas une bonne nouvelle du tout. Ça veut dire, je suis là dans l'époque, ça était vraiment attristé. Tout le monde, et ceci tout jeune artiste, comme si qui aimait Mika Ben. Fin d'année, qui soit ville Saint-Apôté pour Fanatique Léo? Bon, et pour fin d'année, je vais sortir un projet, mais je n'ai pas décidé de sortir un projet. Parce que le prestige comparé à un concours que j'ai fait, moi je décide de participer là-dedans. Je décide de participer là-dedans. Parce que moi, beaucoup je me satisfais vraiment de ça que je voulais. Vous comprenez? Donc, même qui connaît, qui côtoie, qui connaît ça m'a fait, je me sens vraiment que moi arrivé. Donc, je prends de nouveaux challenges pour me capable comme si arriver sur le public pour me capable d'exposer les talents. Message à vous, fanatique, vous savez qui ça lié? Bon, et continuez à supporter David Vilsen, continuez à aider nous. Et puis, pour qu'on comprenne la situation, là, je connais par un conseil que bon, par un bagage que je suis capable de dire, pour capable soulager nous. Mais c'est continuer.